Oui, bonjour. C'est un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter un artiste de la région, qui est un monsieur Roger Larivière, qui est peint depuis environ 50 ans. À peu près, puisque j'ai fait des œuvres que j'ai osé signer et en marquer l'année 45, le portrait de l'homme au chapeau de paille a été faite en 1945. Bon, ben ça fait déjà un bon bout de temps. Je voudrais, avant de commencer, vous souhaiter la bienvenue à notre télévision communautaire. C'est la première fois que je la vois. Je trouve que c'est bien réparti, stationnement facile. Bon. Et pas trop loin de chez moi. Qu'est-ce qui vous a amené, M. Larivière, à la peinture? Ah bien, ma tante, la sœur de ma mère, qui s'appelait Mélanie, avant d'être religieuse chez les visitandines, faisait de la peinture, plutôt du pastel, et peignait même avec des crayons noirs, tout ça. Mais elle avait tracé pour moi une voie sans qu'elle le sache. Ah, j'avais le goût de la peinture. C'était inné en vous, la oui. peinture. Est-ce que vos parents en faisaient aussi? Non, ma mère ni mon père n'en faisaient. Non. Moi, c'est le goût de la peinture. Je l'avais parce que ma tante me l'avait communiqué. Je trouvais ça beau. Elle avait fait des chutes, puis dans le boisé, là, tout ça. Alors, à l'université, il n'y avait pas encore d'enseignement de l'art. Hein? Mais un frère qui mettait toujours une affiche pour inviter les élèves à laisser leur nom. Puis, s'il voyait qu'il allait en avoir peut-être une dizaine, il était prêt à l'enseigner. Alors, moi, je donnais mon nom et je l'ai fait à trois reprises, trois années consécutives. Et puis, j'étais le seul à le faire. Alors, j'ai jamais pu recevoir de cours universitaire, bon, c'est un frère convert, mais qui connaissait bien le dessin et la peinture. Mais quand on dit que vous êtes autodidacte, en fait, dans la peinture, vous avez quand même pris des cours... Par la suite. Mais le portrait de l'homme au chapeau de paille a été fait avant que je prenne des cours. Oui. Par la suite, ben, j'ai pris des... cours d'Henri Masson. Oui, c'est ça. Vous avez été son élève pendant oui. plusieurs années, je crois. Oui. Puis on faisait des expositions chaque année. Et puis, j'avais d'heureux commentaires dans les journaux français et anglais. Avez-vous été influencé par votre professeur, Henri Masson? Ah ben, on l'est toujours, hein? Parce que puisqu'il nous corrige... Il nous donne certaines voies. De quelle façon procédait-il? Est-ce qu'il vous amenait faire des natures? Oui, je suis allé peindre avec lui à quelques reprises. Oui. Ça a duré longtemps? Ça a duré peut-être 5-6 ans au moins. Par la suite, j'avais un de mes confrères à l'Université d'Ottawa qui était un chanteur. C'était un ténor. Il pouvait chanter l'opéra. Il m'a présenté par la suite, hein, parce qu'il était d'abord à CKCH comme annonceur. Il avait une très belle voix. C'était un type qui récitait n'importe quel poème avec beaucoup d'intensité, de nuances, et sa voix était toujours d'une grande beauté.
Et puis, à un moment donné, il a quitté cet emploi pour aller travailler à l'Office national du film. Bien, à l'Office national du film, il y avait plusieurs sections. Il y avait les gens qui animaient sur des bandes dessinées, des bandes à dessiner. C'est ça, parce que quand on pense Office national du film, s'amusait à déplacer légèrement un mouvement dans un bras pour qu'on puisse enregistrer la succession des images animées. C'était des animateurs de films. C'était aussi Norman McLaren, qui venait d'Écosse, qui était le grand directeur, qui gagnait des prix à Hollywood, et qui avait choisi René Jodoin et Jean-Paul Ladouceur. Il est spécial, René Jodoin aussi, hein? René Jodoin a été l'auteur de... Ah oui! Pépinot Capsule. Non, ça c'est Jean-Paul Ladouceur. Jean-Paul Ladouceur? Oui, qui était le créateur. Jean-Paul Ladouceur? Oui. Ah ben là, vous m'en apprenez. Là, je pensais que c'était René Jodoin. René Jodoin, lui, a animé beaucoup de films. Et puis, j'ai vu les techniques qu'il employait. Parce que j'ai chez moi un petit pamphlet qui donne à peu près combien de d'encadrements sur la bande de celluloïdes, là, oui. Qu'on appelle des bandes qui vont projeter qu'on projette sur l'écran. Et puis, c'est des cassettes, ben des grosses cassettes, ouais, hein, voilà. Parce que les autres, c'est des petites cassettes pour l'enregistrement. Là, c'était des grosses roulettes. Oui, des grosses roulettes. Alors, mon ami Victor Jobin a travaillé, lui aussi, pour faire... il est devenu commentateur pour des films qu'on faisait pour renseigner les gens sur la nature du comportement de personnages dans tel et tel village, certaines activités. Et puis, il m'a présenté à ces deux personnages-là, et puis ils m'ont adopté. J'allais peindre avec eux tous les dimanches après-midi. On allait à Hull dans la rue, on allait à la campagne, on faisait des scènes de n'importe quoi. C'était dans la région ici? Oui, c'était dans la région, oui. Connaissez-vous à ce moment-là Val-des-Monts? Ben, Val-des-Monts, c'est bien longtemps. Après, j'ai été... ça n'a pas toujours existé, Val-des-Monts. Non, mais je parle pour vous, là. Vous ah, ben oui, la planète n'a pas changé de ton parce que j'arrivais. Non, c'est pas... ça n'avait rien à faire. Mais je connaissais beaucoup de monde, les Trudel. Mais est-ce que vos parents étaient déjà ici, au départ? Mon père est né à East Templeton. Oui, puis... Il connaissait le coin. Ma mère était de la Gaspésie, mais elle était devenue institutrice, comme je vous l'avais dit tantôt quand on a eu une petite conversation. Et puis, elle a su, parce qu'il y avait un pamphlet assez qui circulait à peu près tous les deux mois en direction de ceux qui enseignaient et d'autres qui avaient demandé des avoirs parce qu'ils voulaient enseigner. Puis on disait, mais à telle place, là, il va avoir un poste pour, si quelqu'un est intéressé, qu'il puisse communiquer à telle et telle adresse. Alors ma mère, moi, elle est allée au couvent à Carleton
il y avait un couvent de sœurs qui enseignaient. Puis, elle s'est orientée vers l'enseignement dans ce couvent. Et puis, à sa graduation, il y avait un poste d'ouvert, puis elle y est allée. C'était en quelles années, ça? Oh, mon Dieu! C'est loin, hein? C'est loin. Parce qu'elle est venue enseigner. Là, il y a un cheminement à faire, je vous le dirai tantôt. Elle était de descendance acadienne, elle avait donc la bougeotte. Alors, elle est allée au lac des Écorces. Elle avait enseigné en Gaspésie. La population augmentait. On avait bâti une nouvelle école pour pouvoir accepter plus d'enfants et que plusieurs soient quand même renseignés puis éduqués. Alors, elle en était un peu une des directrices, mais, comme je vous l'ai dit, de descendance acadienne, on a l'habitude de se déplacer. Alors, elle a vu qu'il y avait un poste ouvert au lac des Écorces. C'était assez loin de chez elle. Elle s'y est rendue. Elle a enseigné là à peu près 3-4 ans. Et par la suite, au travers des informations qu'elle recevait, elle a vu qu'il y avait un poste près d'Ottawa. Alors, le train, pour beaucoup de gens, c'était quand même une expérience de voir se profiler tous les villages qu'elle avait connus au travers de la géographie. Et puis, elle y enseignait peut-être au moins 3 ans. Au lac des Écorces. Par la suite, à peu près avec le même stratagème d'information, elle est allée à East Templeton, puis elle a enseigné à Sainte-Rose de Lima. Mm-hmm. Il y avait une école et une autre section qu'on avait ajoutée, et c'est là qu'elle enseignait. Et c'est là aussi qu'elle a rencontré mon père. Mon père a fait des études, lui, dans un collège de la province de Québec. Il est allé au collège Sainte-Thérèse. Le curé de la paroisse renseignait les personnes, comme mon grand-père, par exemple, qui voulait envoyer son fils étudier, puis il les envoyait au lac des pas au lac des Écorces, à Sainte-Thérèse de Blainville. Je ne sais pas quels c'était des prêtres probablement qui enseignaient, ou des frères. Là, ça, je ne sais pas. Et mon père est allé, a fait ses belles lettres et sa rhétorique. Et puis, il est revenu pour travailler avec mon grand-père, mais pas longtemps. Il prenait des postes ici. Un souvenir de qu'est-ce que c'est qu'on disait. Vous étiez avec votre mère qui enseignait... Oui, mon père est allé au collège, à Sainte-Thérèse. Il y avait là les beaux chants de Templeton également, qui suivaient les cours, ils étaient quelques-uns. Et puis, ça donnait quand même des bonnes raisons pour y aller, pour ne pas se sentir isolé ou quoi que ce soit. Alors, il a rencontré ma mère, et puis... ils se sont mariés peu de temps après. Mon grand-père avait été forgeron. Et puis, j'ai oublié de vous dire que ma mère
enseignait en 1914. Ah, c'est loin, ça. C'est loin. Alors, ça, c'est bon d'en parler, de situer un peu tout ce qui va se passer. C'était une période, quand même, 1914, oui. Dans le temps de la guerre, là, ça, là, hein? C'était durant la guerre. Il y avait des lois que le fils aîné était, surtout si on avait un commerce quelconque, on gardait le fils aîné. Puis mon père était le fils aîné, ben, a eu cet avantage-là, parce que mes autres oncles sont allés à la guerre. Pourquoi tu as décidé d'ouvrir un magasin aussi? Pas si tôt que ça. Non. Mon père est venu à Ottawa. On a habité sur Larry Waller, tout près des Oblats. C'était des maisons qui appartenaient aux Oblats. Ils s'achetaient du terrain comme ça. Au fur et à mesure qu'il y avait l'occasion, disons que quelqu'un déménageait, voulait vendre sa maison, eux l'achetaient. Parce qu'ils allaient bâtir d'autres facultés. Mm-hmm. Ça, c'était dans le dessin du futur. Alors, ils se sont mariés à Sainte-Rose. Puis, ils ont fait un petit voyage de noces, je ne sais même pas où. Oh. Puis, ils sont arrivés à Ottawa. Ils ont loué un appartement et par la suite, j'ai dit qu'on était sur la rue Waller. On est déménagé sur la rue Wilbrod, tout près de la rue King Edward. Il y avait un appartement là. Moi, je n'ai pas habité, je me suis marié moi aussi. Ah, oh, vous avez fait ça aussi. Oui. Relativement jeune, après mon cours, bien entendu. À l'Université d'Ottawa, j'ai fait mon cours classique, d'un bout à l'autre. Le malheur a voulu que les deux dernières années, je ne puisse pas dormir. Alors, on m'avait invité à aller à l'Institut de la philosophie. Et j'avais un grand ami qui s'appelait Maurice Lacourcière. Eh bien, Maurice Lacourcière, lui, y est allé avec plusieurs de mes confrères, parce que ça venait d'ouvrir. Moi, j'ai resté pour faire mon cours classique, pour peut-être prendre une autre direction vers le droit. La médecine ne m'intéressait pas trop. Et l'université, naturellement d'Ottawa, n'avait pas encore ouvert ses facultés d'université. C'était plutôt un collège. Mais, à mon départ, on commençait à avoir des extensions. Et le premier cadre qui s'est placé, ça a été l'Institut de la philosophie qui donnait des maîtrises et les doctorats. Une université, c'est son rôle. Conduire les élèves vers une maîtrise ou un doctorat. Non. Par la suite, ils ont eu une faculté des arts. Mais moi, je n'étais plus là. Alors, je n'ai pas pu avoir accès parce que je travaillais avec mon père. Et ma journée y passait. Alors, c'est pas uniquement le soir. Mais là, à cette époque-là, vous n'aviez pas commencé à peindre encore? Pas trop longtemps après avoir fini mes études, ma mère, à ma fête, m'avait donné une belle boîte de peinture avec tous les appareils nécessaires. Et je me suis mis à peindre chez moi. Je transformais le salon en studio. Vous vous souvenez de votre première peinture? Oui, absolument. C'est que je regardais les tableaux des peintres modernes. Je voyais qu'ils mettaient des grandes masses de couleurs. Et puis j'ai dit, quand je vois quelqu'un
il me semble que je ne vois pas ces masses-là. J'ai fait des efforts pour pouvoir peindre uniquement là, sans savoir si c'est un être vivant. J'ai aboli toute connaissance que j'avais de la personne pour me regarder que là où commençaient ces couleurs variées, comme vous le voyez, qui suggère qu'un tournant, qu'un moule qui vient marquer les traits d'une personne. Alors, j'ai fait ça là, en abolissant la connaissance de quoi que ce soit, mais en ne regardant que la carte géographique à peu près du portrait que le personnage me donnait. Et puis, je me demandais comment ça se passe. Je ne voyais pas grand-chose. J'ai fait 10 pas en arrière, puis j'ai dit, c'est ça la peinture. Ah oui? C'est comme ça. Moi, j'ai compris. Alors, un tableau est fait pour faire chanter les autres. On regarde, puis on voit ces taches-là, quand on regarde avec intensité. Et puis, on sait que ça va nous donner quelque chose. On y va, puis ça donne toujours quelque chose. Thank you.